Ils sont chouettes de ces petits paniers en noix, en osier là. Ils sont super chouettes. Comme ça, c'est ça, vous l'avez acheté. Ah oui, ah oui, oui. Bonjour monsieur. Allez, bonjour, regardez oui, ça. Oui. Non, mais ça, on ne tombera plus. Vidéo. Oui. C'est fini. Oui. Donc vous êtes là que le jeudi ou le samedi aussi là-haut? D'accord, comme ça jeudi. Ils le sauront. D'accord, merci. Bonjour. Petite malle. Ah mais c'est chouette. Hein. Ah mais de toute façon ils sont tous beaux. Et celui-là aussi. Ah ben oui. Ah je vais vous montrer. Non, il n'y en a plus qu'un. Donc dépêchez-vous de venir. Je vais la mettre en ligne. Ah ça c'est chouette aussi, j'adore. Alors là vous pouvez mettre le petit titi dedans et là vous pouvez rominer peut-être. Voilà, ah c'est trop chouette. Ah oui, alors c'était l'inverse, rominer à gauche et titi ben, à droite. Oui, je me suis trompée dans la vidéo. Voilà, et celui-là il me plaît énormément, mais il est très cher, donc je sais pas si je pourrais l'acheter. Je ne sais plus à combien il est. Celui-là, pourquoi je l'adore, celui-là, ben, pour le truc en hauteur, là, je verrais bien mettre un coussin dedans, un tout petit coussin fin, et que mes chats peuvent venir, et après, ils se feront les griffes, là. Parce que les chats adorent se faire les griffes. Je ne sais pas s'il y en a un qui pourra rentrer, je ne crois pas. Hein. Je ne crois pas, mais bon, je ne sais pas. C'est vrai que dès que je vois un truc, moi, je pense à mes chats. Je suis complètement... Ah oui, oui, oui. Mais là, ça coûte très cher. Ça a l'air d'être de la bonne qualité. Alors, j'essaie de trouver un truc pour surélever mon appareil. Oui, j'ai mon titi. Oui, alors, je disais le titi à gauche, là, le chat à gauche, et rominé à gauche, et l'oiseau à droite. Hein. On continue. J'adore ces paniers. Au revoir. Au revoir. Alors là, c'est génial. Vous avez des chaises à bascule. Une chaise à bascule. Alors ça, pour les enfants, c'est super bien. Oui, alors je fais un petit stop ici. Ça a l'air génial pour les pitchounes. Voilà, vous avez... voilà. Ça a l'air vraiment d'être de la bonne qualité. Alors, certes, les prix... pour moi, c'est waouh, mais bon, si vous travaillez, vous pouvez l'acheter à l'aise, voilà, il n'y a pas de souci, quoi. Bon, mais moi, j'ai rien prévu d'acheter. Ben, je vais rien acheter parce que ben, j'ai pas reçu mes sous. Oui, voilà. Tout simplement. Tout simplement. Après, là, vous avez les chapeaux. Ah, ils sont chouettes. D'ailleurs, j'ai pas pris mon chapeau. Moi, j'ai pris le parapluie. Croyant qu'il allait pleuvoir. Et donc, vous avez les petits chapeaux, là. Et les casquettes. Donc voilà, pour une fois que je passe par le marché, ben, j'ai pas de sous. Tout simplement. Alors c'est pas grave, hein. Là aussi, il y a des paniers. Ah, c'est chouette le marché du jeudi. J'y vais pratiquement jamais, il va falloir que j'y vienne, hein. Celui-là, il est génial, celui-là, ça j'adore. Il est original, quoi. Mais si c'est du cuir, non, j'en achète pas. Voilà, pas de cuir. Comme vous savez, je suis pour la protection des animaux. Bon, je vois même pas ce que je filme, des fois je me rends compte juste après. Donc ne me réveillez pas. Bonjour.
jeunes garçons et filles. Les sandales. Ah, ça c'est la plage, ça sent la plage. Oui, certes, avec les grelons qui nous sont tombés dessus. Elles sont géniales ces chaussures. Et les chapeaux, casquettes aussi. Libérer pour l'hiver. Non, ça j'aime bien aussi. Ça c'est joli. Ça c'est beau aussi. Celui-là aussi il est chouette. Vous voyez, j'ai pas pris mon chapeau, je croyais qu'il allait pleuvoir. Ce matin il faisait gris, là maintenant j'ai le soleil. Bon, ça c'est le petit rayon à 1 ou 2 euros. Ah, elles sont chouettes, c'est pareil. Voilà, il y a des petits jouets en bois. Oh, il y a des petits cubes aussi. Oh, cet échiquier. Alors les coques pour les téléphones. Bon, du coup, comme j'avais fini, là, je vais avancer. C'est pas souvent que de plus avoir de batterie. Ah oui, alors il y a une voiture là, il faut que je vous montre, qui est garée sur le passage passage piéton. Je sais pas pourquoi je dis passage clouté, moi. Passage piéton. Donc je fais court, hein. J'ai un petit peu avancé la vidéo pour pas que vous restiez trop longtemps devant. Bon, du coup, hein, je ne vous fais pas le petit magasin aujourd'hui, non, parce que là, je suis vraiment fatiguée. Je vais à Lidl et... Donc, la voiture, elle est garée sur un passage piéton. Alors c'est un A, donc je veux bien voir qui c'est qui va arriver.
Donc là, j'avance pour pas vous faire attendre trop longtemps. Et je vais pas vous montrer le visage de la jeune fille, parce que sans faire exprès, je l'ai filmé. J'ai pas vu ce que je filmais, donc je suis obligée de refaire la vidéo. Parce que voilà, je peux pas vous montrer le visage de la jeune fille. Voilà, là je m'étais assise, j'attendais que la personne arrive. Donc, quand on va voir ses jambes, qu'elle va arriver là au coffre, je ne vais pas vous montrer son visage. Ah, de toute façon, moi j'attends que la personne arrive. Oui, alors le stabilo jambes... J'ai pas de stabilisateur, on dit stabilisateur, non, stabilo. Alors, si j'avais eu un stabilo jaune, j'aurais écrit sur la fenêtre de devant. Alors, ça s'enlève, hein, ça s'efface, hein, ça ne dégrade rien. Le stabilo jaune, qui, ça s'efface, bien entendu, j'aurais marqué, vous, voilà, je ne sais pas, du style, vous n'avez pas à vous garer sur un passage de piéton, je ne sais pas. Voilà, ou repasser votre code de la route, ou quelque chose comme ça. Donc, un stabilo jaune, ça s'efface, ça ne dégrade pas la voiture, d'accord? J'aurais marqué ça sur la fenêtre de devant, hein, parce que je suis quand même pas méchante, mais je n'avais pas avec moi de stabilo jaune. Et ça s'enlève. Bon, non. Pas le stabilisateur, stabilo. Donc, stabilo jaune. Voilà la jeune fille qui arrive. Bonjour mademoiselle. Pourquoi vous garez? Je voulais vous demander pourquoi vous garez sur un passage piéton. Quand les gens... Ne dites pas ça madame. La prochaine fois on fait venir la police. Vous êtes jeune en plus. Voilà. Voilà. Elle a son arbre. Bon. Moi, je garde quand même la vidéo entière que je vais mettre de côté. Au cas où que s'il y avait un quelconque problème, j'ai la vidéo entière, hein, bien sûr. Moi, je vais vous montrer que ce passage que j'ai enregistré. Donc, moi, je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Alors, je suis pas d'accord pour que les gens se garent sur un passage piéton en voiture. Je suis pas d'accord, ni les motos, hein. Je vous le dis, hein. Je suis pas d'accord pour que les gens se garent sur un truc réservé aux personnes handicapées, en plus qu'ils ont un fauteuil roulant. Donc là, par contre, je suis pas d'accord du tout, du tout, du tout, hein. Je vous le dis. Moi-même qui suis en vélo, je vais jamais me garer sur un passage comme ça. Moi-même. Ça se fait pas. On laisse la place aux personnes qui ont des gros problèmes de santé. Après, les piétons. J'en ai ras-le-bol que vous traversez les feux, au passage au feu piéton rouge. Vous attendez. Oui, ça met du temps. C'est très long, les feux. Mais vous attendez que ça devienne vert. Voilà. Apprenez à patienter, s'il vous plaît. Et ça serait bien que ben, les automobilistes, eux, déjà respectent les feux rouges. Il y aurait moins d'accidents. Et vous, les piétons aussi. Hein? Voilà. Parce que là, ça part en cacahuète, hein? En vadrouille. Il y a tout le monde qui vous insulte tous. Hein? D'accord? Alors, je sais pas, faites un effort là-dessus, s'il vous plaît. Voilà. Alors moi, je ne vais pas me mettre une auréole parce que moi-même, avant, je ne réfléchissais pas non plus. Bon, si, les feux, bien sûr, je les respectais, les feux. Hein, ça là-dessus, j'ai jamais eu de problème, ni les places handicapées. Mais voilà, un jour, j'étais tellement persuadée dans ma tête que j'avais le droit de téléphoner en voiture que je me suis pris une amende. Et je disais au policier qui m'avait arrêté sur le côté... parce qu'il me faisait signe de m'arrêter, moi je me suis arrêtée, mais j'étais persuadée dans ma tête, je vous jure, j'étais persuadée que j'avais le droit de téléphoner, alors que c'était interdit. Mais moi dans ma tête, j'avais pas compris qu'on avait le droit de téléphoner avant hein, que les nouvelles lois sont passées, avec un fil dans l'oreille ou un truc comme ça, vous savez?
Je sais plus ce que c'était. Mais pas le téléphone à la main. Mais moi, en plus, pour moi, j'étais honnête. Je ne me foutais pas de la tête du policier parce que j'étais sûre que j'avais le droit de téléphoner. Bon, il m'a enlevé de poids. Parce qu'il a vu que j'ai insisté tellement que je disais, mais si, si, j'ai le droit de téléphoner. Je jure. Et lui, du coup, il m'a enlevé de poids. Mais non, je n'étais pas contente, mais bon. Et après, oui, quand je me suis bien renseignée, ah oui, je n'avais pas le droit de téléphoner au volant. Voilà. Et oui, donc vous voyez comme quoi, ben moi aussi, hein, j'ai fait des bêtises, ben oui. Voilà. Voilà, des fois, je... Une fois sur la rocade. Alors, je roulais à 80. Parce que pour moi, la rocade, c'était 90. Donc, pour moi, donc, je roulais à 80. Mais je n'avais pas vu les bandes. Elles étaient jaunes. Ils avaient peint les bandes au milieu, tout ça, en jaune. Et quand c'est en jaune, c'est 70. Et ce qu'il y a, c'est que moi, je n'ai pas vu de panneau 70. Et c'était quand j'avais ma voiture. Et je n'ai pas vu les bandes jaunes au sol. Et d'un coup, je vois un flash d'une voiture qui était pas au milieu de la rocade, mais dans un stationnement, voilà. Je me prends un joli flash. Puis là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, je regarde un peu le compteur, hein, à peu près. Ben, j'étais à peu près 80, quoi. Je dis, mais j'étais pas à 90. J'étais pas... Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bon, bref. Et plus tard, quand je reçois le PV, ah oui, c'était 70 parce qu'il y avait les bandes jaunes en couleur. Donc, voilà. Ben oui. Ben oui, vous voyez, moi aussi, j'ai fait des bêtises. C'est énervant. C'est énervant, hein. Alors, voilà. C'est pas moi qui vais vous jeter la première pierre, comme on dit. Hein. On ne jette pas la première pierre aux gens. Hein. Moi-même, ah ben oui, je me suis pris des PV parce que je faisais pas attention. Bon, là, j'en ai pas pris, mais par exemple, quand on roule à 50, il paraît qu'il y en a, ils sont à 53, hop, ils se sont pris un PV. Parce qu'il ne faut pas dépasser 50. Et c'est très difficile de rouler à 50. Hein. Bon, moi, je n'avais jamais pris pour ça. Voilà, pour ça, non, j'en avais jamais pris. Mais voilà, ça peut arriver à n'importe qui. Hein. Donc moi, si un jour j'ai une autre voiture, j'aimerais bien avoir le truc, la spéciale, vous savez, que vous enclenchez. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle. Vous l'enclenchez, comme ça au moins ça roule à 50. Alors, je ne me souviens pas du nom. Au moins vous ne dépassez pas les 50. Et moi ce qui m'embêtait, c'était arriver de conduire en regardant tout le temps mon compteur que je ne dépasse pas la limitation. Et ça c'est dangereux. C'est dangereux. Parce que on regarde trop le compteur et on ne voit pas trop en face ce qui se passe. Donc limitateur de vitesse, je crois. Je ne sais plus comment ça s'appelle le truc là. Donc voilà, ma prochaine voiture, je veux ça. Voilà, parce que au moins je regarderai pas tout le temps le compteur. Et puis voilà, au moins je prendrai pas de PV. Bon, pour ça, j'en ai jamais pris. Hein. Mais voilà. Alors. Bon voilà, j'ai toujours pris un PV comme ça pour des trucs. Mais pour la loi, c'est la loi. Il ne se pose pas la question, mais moi, je ne faisais pas esprit. C'est ça le pire, c'est que je ne faisais pas esprit. Un peu nunuche, quoi, la nana. Ouais, ouais, c'est moi, complètement nunuche. Voilà. Et aller expliquer ça au policier. Non, mais vas-y, voilà, quoi, le policier, il ne va pas me croire. Mais si, si, je vous jure que c'est vrai. Mais voilà, je suis complètement nunuche, alors du coup, voilà. Bon. Mais oui, comme quoi, vous voyez, voilà. Essayez, hein, surtout les jeunes de maintenant, s'il vous plaît. Faites un effort, hein. Surtout les motos, là, les mobilettes, hein. Oui, les mobilettes, je vous vois faire, hein. Vous savez, je vais vous dire quelque chose.
vous êtes jeune, donc c'est très bien. Moi, je suis vieille, j'ai 47 ans, donc j'ai un peu plus d'expérience. Mais je vais vous dire quelque chose. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais maintenant, il y a de moins en moins de logements pour les personnes en fauteuil roulant. Voilà. Renseignez-vous, il y aura moins de construction. Je vais essayer de vous trouver ça de suite. Je ne sais pas, je vais essayer de vous trouver ça pour vous montrer que je ne dis pas de bêtises. Alors, projet de loi, donc Élan, est égal moins de logements pour handicapés. Oui, et voilà. Il y aura énormément de baisses pour les logements pour les handicapés. D'accord? Alors, l'Assemblée nationale vote une baisse du nombre des logements accessibles aux personnes handicapées. Alors, pourquoi moi je vous dis ça? Parce que là, j'ai marqué. Ben, j'espère que plus personne n'aura d'accident de voiture et se retrouvera dans un fauteuil roulant. Sinon, ben, c'est vivre dans la rue. Alors vous les jeunes avec vos mobilettes là, que de temps en temps, hop, vous roulez sur la roue arrière, là, vous levez la roue avant et tout. Heureusement qu'il n'y a pas un caillou que vous n'avez pas vu, par exemple, et que ce caillou vous fait wow, un grand dérapage de la roue arrière. Boum, vous tombez et tout. Et heureusement qu'il n'y a pas une voiture qui passe, parce qu'imaginez. Alors j'espère que vous aurez toujours de la famille qui s'occupera de vous si vous êtes dans un fauteuil roulant. Hein? Je vous le dis, c'est pour vous. Après que vous dites, mais pour qui elle se prend, celle-là, moi, peu importe, vous dites ce que vous voulez de moi, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais moi, je vous le dis. J'espère pour vous que ne jamais vous retrouver en fauteuil roulant. Voilà. Parce que je rigole pas, hein. Il y a une baisse du nombre des logements accessibles aux personnes handicapées. Et c'est pas une blague. Alors dites-vous que vous avez énormément de chance, c'est que vous avez deux jambes et deux bras. Réalisez à quel point vous avez une chance. C'est inouï la chance qu'on a, même moi qui me plains de mes problèmes de santé. Je peux vous dire que j'ai une chance inouïe. Alors ça, c'est pour vous tous les jeunes. Et prenez-en conscience. Parce que c'est bien beau de faire les costauds ou de faire les beaux devant les autres jeunes, les autres copains, etc. Mais non, non, non. À un moment donné, prenez-en conscience, quoi. Ne faites pas ça en plein dans une route où il y a des voitures qui passent. Voilà, allez, je ne sais pas, dans un endroit, dans un champ qui est vide, qui n'a rien, vous voulez vous amuser, vous amusez. Mais par contre, si vous tombez, que vous faites mal, ça, c'est tant pis pour vous, mais arrêtez de vous amuser à faire ça en plein sur la route. Oui, parce que je vous vois, les jeunes avec les mobilettes. Je vous vois. Mais j'ai pas le temps, moi, de vous arrêter en pleine route, de vous expliquer tout ça. J'ai pas le temps. Non. Ah là 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 là. Bon, allez. Faites circuler, vous dites. Enregistrez que ce passage, vous n'avez pas besoin d'enregistrer si vous voulez le restant de ce qui a été dit avant. Enregistrez que le passage là des jeunes pour ne pas avoir d'accident, disons, ne pas se retrouver dans un truc. Parce que, sincèrement, si vous retrouvez dans le coma ou... dans le coma, vous dormez. Bon, vous dormez, vous vous en foutez, vous ne penserez plus à rien, façon de parler. Hein. Vous êtes dans le coma. Bon, mais si vous êtes en fauteuil roulant, hein? Et que là, vous voyez la baisse du nombre des logements accessibles aux personnes handicapées. Je ne plaisante pas. Je ne plaisante pas. J'espère pour vous que vous aurez une famille qui sera là et qui sera là pour vous loger tout le temps, quoi. Et oui, oui. Oui. Bon. Je vous dis à bientôt, les jeunes. Bye bye.